Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se dit, ah, bientôt va faire froid, qu'est-ce qu'on fait? On va tester les gants chauffants. C'est la première fois que, en fait, qu'on me propose de tester. Je me dis, une petite vidéo, c'est quand même pas mal. Alors, les petits gants chauffants, déjà extérieurement, niveau qualité, c'est plutôt pas mal. Ils sont bien sûr waterproof. Petit bouton. On peut voir, vas-y, approche, approche. On peut voir qu'ici, donc il y a trois niveaux au niveau de la température qui va s'actionner avec le bouton. De fourni avec, on va avoir, donc, bien sûr, ça, c'est notre fournisseur qui vend tout ce qui est accessoires, moto, scooter, donc qui fait également pour nous les trottes. Et donc, ce qu'on peut voir au niveau des batteries, donc c'est du 7,4 volts en 2200 mAh. Sur la fiche technique, environ 4 heures. Bien sûr, ça dépend du niveau en fait, que tu vas mettre au niveau de la position de la chaleur. Ensuite, fourni avec, bien sûr, on va avoir un chargeur. Chargeur où tu viens brancher en fait, tes deux batteries. Donc, bien sûr, pour la première utilisation, qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, on les met en charge, les batteries, avant. Donc là, du coup, j'ai triché un peu, on les a mis en charge avant de faire la vidéo. Au niveau des batteries, donc, elles vont se mettre directement ici. Donc là, on va avoir un petit fil à récupérer. Voilà. On vient mettre sa batterie. Hop, et on remet en place pour l'allumer. Voilà, donc un appui long de 3 secondes. Et après, selon en fait la position que vous allez mettre, vous voyez, ça change. Donc là, rouge, blanc, bleu. Et là, hop, pour l'éteindre, encore donc 3 secondes. On va essayer, attends, parce que moi j'ai pas essayé. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il monte assez haut. Donc au niveau de la pluie, tout ça, et du froid, il n'y a pas de souci. Alors, je reste appuyé 3 secondes. Ok. Là, je suis en rouge. Alors, donc ce que j'avais vu, ça chauffe ici, au niveau des doigts. Ce qui m'était, ça clignote, ça chauffe. Et déjà, j'ai moins froid là. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, dès qu'on l'allume, voilà, donc, reste appuyé, on allume pour allumer 3 secondes sur le bouton power. Et on a 1, 2, 3 positions avec 3 coloris différents. Maintenant, parler c'est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le tester. On va voir si on arrive à manier quand même au niveau de la trottinette, le frein, l'accélération, voir si c'est pas trop gros. Et ça, on y va de suite. Et là, maintenant qu'on est dehors, je sens que ça chauffe. Hein. Comparé à tout à l'heure dans la boutique. Bon, allez, petit test. C'est parti, les gars! Alors moi qui ai toujours froid au bout des doigts, ben là avec ça, si je suis embêté, je comprends pas. Eh mais ça chauffe trop d'ailleurs. Et je vais baisser un peu le niveau. Donc là, un petit appui. Hop, voilà, on va passer au niveau en dessous. On va voir. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une coque ici, vous voyez. Protégé, par contre, ça chauffe bien. Et là pour l'hiver, au moins on est équipé, ils sont waterproof. Donc bah, le gros avantage, hein, c'est que s'il pleut un petit peu, en plus avec la pop, et ben bah là on sera nickel. Allez, petit gant chauffant, ça faisait longtemps que je voulais vraiment tester parce que à chaque fois j'avais les bouts des doigts gelés, c'était hyper désagréable à la conduite. Et là du coup, pouvoir avoir ces petits gants chauffants. Alors. Donc c'est sûr là les gants sont un peu plus gros que les gants que j'ai mi-saison, préparé d'habitude, avec quoi je roule. Au niveau pour mettre les clignotants, je suis pas embêté. Et on va mettre ça un peu plus haut d'ailleurs. Ouais non, franchement, ça me. J'ai pas de gêne. Donc là, à l'utilisation, je peux dire que ouais, certes, c'est un petit peu gros, mais de toute façon, ben, pas le choix. Hein. Faut que on soit quand même bien équipé pour le froid. Au niveau de l'utilisation, simple. Et en tout cas, une bonne prise en main. Et là, comme par hasard, j'ai plus de batterie.
petite descente, ça va aller mieux. Ah, puis ce qui est bien, c'est qu'il monte très haut. On n'est pas gêné par les batteries en fait dans les gants. Donc en termes de poids, de toute façon, c'est assez léger. Et j'ai pas de gêne en fait pour pouvoir plier le poignet. Donc ça me va très très bien. Alors tu vois en fait ce que j'ai fait là, j'ai mis en mode 2 au niveau de la batterie. Parce que là, voilà, on n'est pas encore dans les gros froids. Et du coup, en fait, en position 2 là, de ce temps-là, c'est nickel. Voilà, t'as pas trop. T'es pas gelé, t'es nickel. Et donc là, tu peux rouler tranquille. Bon, voilà les gars, pour les gants chauffants, ils sont disponibles dès à présent sur le site. Si t'as des questions, un petit commentaire et puis un like, ça fait toujours plaisir. Si t'es nouveau, tu peux t'abonner et on te dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!